Après avoir parlé de ninjas dans l'épisode précédent, eh bien aujourd'hui on va parler de bouffe et de serpents. Waouh, ça pourrait faire un épisode de What the Cut tout ça. Alors, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, enfin je l'ai dit, mais voilà, eh bien un américain a mangé 200$ de bouffe dans un restaurant japonais. Vive le Japon! Et après il a sorti un petit serpent. Sauf que comme tout restaurant qui se respecte, les employés lui ont demandé de quitter les lieux. Et après, ce mec sort, enfin fait rentrer, un putain de python de 4 mètres. Bon, je dis souvent que j'imagine tel truc ou telle chose, mais... Là, on sait vraiment ce que le serpent voulait à ce moment. Oh yes, à moi tout cet argent. Et en plus, il a laissé des enfants le caresser. Tout est normal, les amis. Hey, Jean-Claude le Python, regarde, dans ce restaurant japonais détenu par un connard, il y a beaucoup d'enfants à bouffer. Alors, qu'est-ce que t'attends, hein? Et ce mec devait payer 50 000$ d'amende. Wow. Ça coûte vraiment cher ces conneries. Non, 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 va pas dans ce putain de restaurant. Attends, ça va me coûter 50 000$. Putain, je suis au chômage. Le fisc va arriver. Oh non, il y a le fisc. Bonjour, vous nous devez. Ta gueule. Mais quand même, vivre avec ce piton tout en cachant son existence, c'est quand même corsé. Non mais regarde, il me regarde de travers. C'est super flippant. Mais non, regarde, il est très 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 amical. Putain, qu'est-ce qu'il fait comme bruit? C'est quoi cette merde? Mais non, c'est rien. Mais qu'est-ce qu'il fait maintenant? Enfin, voilà, c'était la chronique sur ce mec assez chelou, comme on peut le dire. Enfin bref, comme vous connaissez la chanson, eh bien, je peux... vous la réciter, bien évidemment. Eh bien, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, partager la vidéo. Et ah oui, je profite aussi de cette vidéo-là pour vous annoncer qu'il y aura de grands changements sur la chaîne que vous pourrez voir dans une vidéo bonus qui sera sur la chaîne bonus. Je mettrai un lien par quelque part et vous serez au courant de tous les changements qui vont bouleverser la chaîne à un point pas possible. Enfin, surtout cette émission là, parce que voilà, c'est plus trop mon style de faire des trucs comme ça. Donc voilà. Mais vous pouvez vous abonner à la chaîne.